Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en route pour retourner à la maison, tout simplement parce que je viens d'aller chez Bureau Voilé. J'ai été chercher un petit peu de papier calque, puisque aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto éclairage. Vous allez voir, c'est comment rendre un éclairage moins agressif, plus doux, simplement. Et donc, on va voir ça tout de suite après. Je rentre à la maison et on est parti. Faire ce qu'on va faire, il va vous falloir du papier calque et un mètre. Vous allez voir, c'est tout con, franchement, c'est vraiment à la portée de tout le monde ce que je vais faire. Donc vous voyez que j'ai mes deux lampes et on va faire pareil sur les deux. Première étape, ça va consister à mesurer simplement combien de diamètre vous avez ici, pour pouvoir ensuite avoir le rayon et pouvoir tracer le rayon au compas sur le papier calque. On fait à peu près, hein, on n'est pas des géomètres. J'ai grosso modo 17 cm. Je vais couper à 18. Vous savez quoi, je vais faire 18 cm. Vaut mieux arrondir au-dessus, comme ça votre papier calque va passer comme ça, vous pourrez le coller à la limite autour. Toujours faire un peu plus grand. Si on fait 18 divisé par 2, ça nous donne 9 cm de rayon pour tracer le cercle sur le papier calque. Alors une fois que c'est fait, bah, vous vous retrouvez avec ceci que vous allez venir placer simplement devant là comme ça. Donc on voit que vu que c'est du papier calque, pardon, ça obstrue. Vraiment, voilà, le terme technique c'est ça. Vous allez vous retrouver normalement, si l'effet est bon, avec une lumière un petit peu plus diffuse, un petit peu plus douce et pas juste avec ça et ça qui renvoie. Enfin voilà, ça va faire un effet plus doux. Néanmoins, attention. À quoi ? À la chaleur. Moi, je le fais, je sais très bien ce que je fais. C'est des lampes LED, elles ne chauffent pas. Alors, à part derrière, je sais pas pourquoi, mais c'est aéré de toute façon. Mais là, ici, sur le devant, l'ampoule ne chauffe pas ou très très peu. Elle est à peine tiède, à peine un tout petit peu chaude. Faites vraiment attention, parce que si vous avez les anciennes lampes, là, comme ça, rondes, là, avec un filament à l'intérieur, cela chauffe énormément et très vite. Ce qui peut arriver du coup, bah, c'est que votre petit papier calque là comme ça termine pas très bien en fait, et du coup dans le même temps vous risquez aussi de pas faire bien terminer votre maison en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est pas très représentatif, je vous ai mis une explosion, mais vous voyez, du feu. Donc vous risquez de foutre le feu. Et j'ai tapé dans ma lampe, c'est magnifique. Donc maintenant, le but, ça va être de venir avec des petits morceaux de scotch coller le papier calque comme ça tout autour. Et on se retrouve donc après pour voir un petit peu l'effet que ça donne dans le noir. One eternity later. Ma maman m'a demandé d'acheter un ciseau. Moi j'ai dit oui, comme ça, je peux me découper les cheveux. Je peux me découper les doigts. Je peux me découper les oreilles. Bon voilà les mecs, j'ai fini de découper, maintenant je vais mettre ça sur les lampes. Vous voyez peut-être que j'ai déjà fait ça sur une des lampes. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais faire ça sur la deuxième et ensuite on ferme le volet et on allume tout. A few moments later. Et donc voilà, après avoir essayé de pas trop me piquer avec le compas, de pas me découper les cheveux, les doigts ou les oreilles avec le ciseau. Oui, c'est un ciseau de gosse, hein, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Voilà donc le résultat. Ça vous donne donc quelque chose d'un peu plus, comment dire, d'un peu plus diffus. Et surtout, si vous les mettez en face de votre gueule, justement, c'est ça l'intérêt, c'est que vous avez quand même de la lumière devant vous. Sauf que vous n'êtes pas comme ça, quoi. Vous n'êtes pas trop comme ça parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, donc c'était Rémi, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Et la prochaine, j'aimerais vous faire une installation d'Hackintosh en fait. Parce qu'en fait j'ai un DVD d'Hackintosh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Mac OS X, mais hein, comme ça, hein, pour pouvoir le mettre sur un PC. Oui, c'est pas forcément légal, mais étant donné que du Mac d'origine neuf, même d'occasion, ça coûte très très cher. Ça aurait coûté moins cher, ça n'aurait jamais existé. Je vous planifie ça après que j'ai un disque dur et après que j'ai tout qui est bon.
parce que là en ce moment c'est un petit peu la merde. Pour tout vous dire, cette vidéo là je la tourne une semaine à l'avance. Je tourne la vidéo, on est le combien, le 11 septembre, peace. Donc cette vidéo sortira le 17 ou le 18, donc on sera samedi ou dimanche. Voilà, donc là vous êtes en train de la regarder, on est soit le 17 soit le 18, samedi ou dimanche, la semaine d'après le tournage. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À défaut de vous porter mal, portez-vous bien. Et salut !